Vous allez bien? Je m'appelle Priscilla Bieni et je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est à propos d'un ami que j'ai rencontré pour la première fois il y a déjà un an. Et son nom, c'est Jésus. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi et tout ce qui a changé dans ma vie avant de l'avoir rencontré. Et voilà, donc la toute première chanson, c'est pour vous dire en fait comment j'allais avant de l'avoir rencontré. Donc, ouais, allons-y. Je marchais seule dans le noir, perdue dans un monde de peur. Je m'y noyais. J'ai beau chercher l'amour et le succès, mais à chaque fois ma joie était temporaire. C'était comme si le lendemain n'était jamais certain, malgré tous mes efforts. Je croyais avoir contrôle de ma vie, et maintenant c'est clair, j'avais tort. Et le pire c'est que je ne me rendais pas compte. Me sens prendre fond à fond, jusqu'à ce que j'ai dit oui à Jésus. Et Jésus a pris soin de mon âme. Da, da, da. Chagrin alors que je marchais sur des clous. Si ce n'était par la grâce de mon père, je me demande si j'aurais pu pouvoir tenir jusqu'au bout. Et de croire qu'il n'a même pas fini, je suis un travail non achevé. De voir que j'ai déjà tellement changé, et tout ça parce que j'ai dit oui. Et le pire c'est que je ne me rendais pas compte. Merci. Donc, ouais, ça allait mal avant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça va pas mal. Et aujourd'hui, je chante une nouvelle chanson, je dis des nouvelles choses. Et d'ailleurs, cette prochaine chanson, c'est juste pour le dire ou pour vous dire
qu'est-ce qu'il fait pour moi, qu'est-ce qu'il a fait pour moi et qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Et c'est celle-là, J'ai les vrais, c'est le nom de la chanson. Let's go!
Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je chante une nouvelle chanson et en fait, Jésus me rend très joyeuse. Mais il y a par contre quelque chose qui ne me rend pas joyeuse et c'est l'état du monde et tout ce qui se passe tous les jours. J'ai pas besoin de vous citer un exemple parce qu'il y a tellement de choses qui se passent tous les jours. Et cette prochaine chanson, je veux que vous écoutez vraiment les paroles et que vous prêtez attention et que vous laissez les paroles ancrées dans vos cœurs et dans vos âmes, pour que nous puissions faire une différence à partir de ce moment même. Ok, donc. Nous vivons dans un monde presque sans espoir, des innocents qui meurent chaque jour. Que ce monde devienne meilleur, il est impossible d'y croire. Du grand manque d'amour, mais pour